Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal. Sur ce plateau, comme invité, nous recevons le coordonnateur du Tout Numérique, un projet qui va permettre au Tchad d'assurer sa transition de l'analogique vers le numérique. Monsieur Yves Yamda, bonsoir. Yves Yamdana, je m'excuse. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Nous allons revenir à vous dans un instant. Le temps pour nous de parler de l'Aïd al-Adha, al-Mubarak. Il vous souviendra qu'à l'occasion de la présentation des vœux au président de la République, le Conseil supérieur des affaires islamiques a dénoncé la création anarchique des mosquées. En réaction, le président de la République a été « on ne peut plus faire ». Création anarchique des mosquées, l'état des lieux, un reportage signé Adef Ahmad Benrama. Ce dernier temps, l'on assiste à la prolifération des mosquées et c'est là dans l'anarchie la plus totale. Il faut parer au plus pressé au risque de se plonger dans la somalisation du pays. L'alerte a été sonnée par la première autorité islamique du Tchad, Cheikh Hissène Hassan Abakar, à la traditionnelle cérémonie et présentation de vœux au président de la République à l'occasion de la fête du sacrifice, l'Aïd al-Adha al-Mubarak. Pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, des connivences avec certaines organisations étrangères, des individus empiètent sur les prérogatives de son organe, le seul habilité en la matière. C'est un désordre total. De plus, certaines autorités administratives, pour emprunter les propres termes, de ce dignitaire religieux ont porté le boubou du Conseil supérieur, chose inadmissible. Garant de l'intégrité territoriale, de l'ordre et de la sécurité, le président de la République, Idriss Déby Itno, a réagi de la manière la plus prompte et je le cite, « Il est de ma responsabilité, mais je vous ai délégué ces pouvoirs. » Fin de citation. Aucune mosquée ou école appelée Khalwa ne sera construite sans votre accord, martèle le chef de l'État. Les autorités administratives, tant au niveau central que décentralisé, ne doivent pas aussi s'immiscer dans les affaires religieuses. Le président de la République donne l'entière responsabilité au Conseil supérieur des affaires islamiques. Idriss Déby Itno réaffirme son soutien sans faille à cette institution. Cette position du chef de l'État ne vise rien d'autre que le rétablissement de l'ordre religieux, la consolidation de la paix et de la cohésion nationale, des valeurs chères à tous.